Salut, salut poto, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir comment avoir le meilleur fusil à pompe légendaire du jeu, le One Pump Chump. C'est un Easter Eggs en plus, donc ça va être super sympa à faire sur, tu connais le manga One Punch Man, et donc c'est un Easter Eggs qui tourne autour de ça. Je vais te montrer très très rapidement comment l'obtenir. Avant tout, on est sur un fusil à pompe avec 1160% de dégâts en plus, donc ça t'amène à 3845 de dégâts. Donc sur cette arme-là, il y a des petites variantes, je crois, selon les armes. Tu me diras en commentaire si tu as une variante. Voilà, donc c'est une super arme, vraiment sympa. Tu as 50% de chance de ne pas utiliser des munitions quand tu tires. Et ça défonce tout. Franchement, ça défonce. Une balle, tu peux one-shot un mob avec le bon build. Franchement, il est vraiment sympa. Je vais te montrer comment l'obtenir, la quête à faire. Faudra peut-être un peu le farmer. Et puis je t'ai laissé un petit passage croustillant, tu vas rigoler. Donc voilà, c'est parti, je te montre le chemin, je te fais ça au montage, c'est parti. Alors, c'est très simple, donc tu vas sur la map Electra City, donc je te montre là sur la map où c'est, donc je t'ai mis un petit repère. C'est là où tu vois, il y a les petits escaliers qui se croisent, tu dois descendre au sous-sol. Tu descends, bon, tu auras des mobs, moi je les ai déjà clean pour le bien de la vidéo, et tu repères le petit train là. Tu te mets dans ce sens-là, tu avances et tu auras des mobs ici, tu en auras 2-3. Donc moi je suis en chaos 3, donc ils peuvent te déboîter. Donc tu fais quand même attention, hein, et tu mets dans tous les cas selon le niveau de difficulté que tu veux. Et tu arrives là dans la zone où il y aura les Easter Eggs à faire. Là je t'ai mis un passage rigolo, c'est qu'en fait j'ai fait plusieurs rushs et la première fois je ne savais pas. Je pensais qu'une fois que j'avais fait, si je mourais, je pouvais revenir tranquillement. Mais en fait, pas du tout. Regarde, je me suis fait one puncher, tout simplement. Voilà, donc plus sérieusement, tu arrives dans cette zone-là, tu vois ces interrupteurs allumés dans cet ordre. Donc, tu fais celui-là en premier, ensuite la roue, ensuite le gros levier, ça allume les écrans en face, comme tu peux le voir. Donc je prends vraiment mon temps pour que tu puisses y aller tranquillement. Ce levier-là, une fois. Et ce levier-là, une deuxième fois, et tu as le boss qui apparaît. Tu fais gaffe, moi je te conseille de partir sur le côté, d'où l'importance de clean, pour pas qu'il te one-shot, parce que si tu es enfermé dans la petite salle, tu es cuit. Donc là, tu vois, j'y vais vraiment sans fair play, hein. Donc, à la grenade, je laisse aucune chance, et je le kite tranquillement. Donc l'avantage, c'est qu'il tombe, donc ça c'est plutôt sympa. Et voilà, et tu le tues en boucle jusqu'à ce que tu aies, comme moi là, le fusil à pompe que tu désires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu laisses un petit commentaire. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, poto. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.